Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Dans le dernier épisode, on avait fait une petite enquête avec Connor, avec l'androïde aux pigeons, celui qui avait plein de pigeons chez lui. On avait fait également une course-poursuite contre lui. Et avec Marcus, on a un petit peu visité Jericho, tout ça. Et on a élaboré un plan avec les hôtes du Jericho pour pouvoir aller à Cyberlife récupérer des choses qu'il faut pour sauver les androïdes dans Jericho. Donc tout de suite, je pense qu'on va partir avec Kara. Let's go! On est arrivé. Bienvenue avec Kara et la petite Alice. On avait réussi à échapper aux flics et surtout à Connor la dernière fois qu'on avait eu Kara en notre possession, si on peut appeler ça une possession. Et là, on est à l'adresse où l'androïde éboueur nous avait dit d'aller. Hein, nous avait donné une adresse et je pense que c'est celle-ci. Bon, la maison, je t'avoue qu'elle n'inspire pas confiance du tout. Mais bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Let's go. Vous êtes Zlatko ? Pourquoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Ne soyez pas timide. Très bien. Bonjour Zlatko. Merci de me faire rentrer chez toi, mon pote. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces. L'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... C'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien, et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Je sais pas si on peut lui faire confiance, hein. Honnêtement, quand je vois la gueule de Luther, il a l'air un petit peu... Tout mon matériel est au sous-sol. Il a l'air un petit peu formaté, le garçon, hein.
J'aime pas faire confiance aux gens que je connais pas, donc je vais quand même faire attention. Attendez, on va faire un coup de R2 avant d'y aller. On a rien à faire. Luther, t'as rien à me dire? T'as rien à me dire, Luther? Non? Sur lui, là? Je le connais pas, hein. J'ai peur qu'il touche à des choses qu'il a pas le droit de toucher, j'ai envie de te dire. Bah écoute, Zlitkov, moi non plus j'aime pas. Moi non plus je l'aime pas. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. Prudence, rassurée, réconfortée, pas le choix. Prudence, prudence, ouais, prudence, direct. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. Voilà, faut pas faire... Ouais, ouais, faut être prudente, faut être prudente. Attention. Excusez-moi pour le bazar. Tu fais quoi, petite? J'avais besoin d'un endroit où cacher. Attends, elle a vu quelque chose, non? Non, elle a rien vu. Les machines. Retirez-les. Suivez Zlatko, allez voir Alice. Tracer est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. Je veux bien aller la voir, Alice, mais... J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Mais non. Non, ça va aller. Tant mieux. Un petit truc déverrouillé. Je vous en prie. Ça, c'est peut-être pour une probable fuite. C'est possible. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais? Luther, t'es grand, fais attention à toi. En plus, il y a une série qui s'appelle Luther. Il ressemble à Luke Cage tellement il est grand. Non, tu veux pas? Bon, bah écoute, je vais devoir y aller. Hein. Bonsoir. Oh là là, ça ressemble à Dexter tout ça. Ouh là là. Il est équipé le garçon. Si tu veux bien monter là-dessus. Des radios, tout ça, il est vraiment équipé. Hein. C'est peut-être un ancien de Cyberlife. Hein. Ah, avec de la vodka! J'avais pas vu! D'accord, donc toi tu t'opères avec complètement bourré, quoi. Avec de la vodka, au calme. On a rien d'autre? Allez, un petit coup de R2, ça fait pas de mal. Hein? On va pas se mentir, il y a peut-être des trucs à trouver ici. Vu le nombre de machines qu'il y a. Montez! Bon, bah on va monter. Hein. Je vais être honnête, ça va pas être très agréable. What the fuck? D'accord, donc là je peux regarder autour de moi. C'est un petit peu la merde, je t'avoue que je sais pas trop où je me suis fourré. Étrange. Là. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Oh le menteur, il nous a porté dans un guet-apens. Il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Oh là là, je le sens très mais mal. Vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Ah, j'en étais sûr. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Oh non! Je vous revends. Oh non, l'enfoiré! Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté! Laissez-moi! Kara! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. Comment on va sortir de cette merde? C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Oh non, 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 non. R2, je sais pas, fais quelque chose, Kara, fais quelque chose. Réinitialisation 0%, formatage. Non! Faut que j'arrive à trouver quelque chose. Qu'est-ce que tu me fais? Putain, elle est trop près de moi là, t'es moche en plus, voilà tu pues de la gueule. C'est que de rêver. Ouais, reste tranquille, je vais t'éclater ta petite race, tu vas rien comprendre. Toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Y'a rien dans les câbles là? Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Je suis sûr qu'il y a un truc à trouver. Plus de. D'espoir brisé. Non, y'a un truc à faire. Je dirais presque. Y'a un truc à faire. Oh, pauvre petit. Condition de mémoire détectée. Non! Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi. Hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vois rien, c'est trop près. Non! Mais tu touches pas, toi, mais t'es un fou!
T'as mordu, cher. Les bonnes manières, sale petite garce. Non, 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 pas Alice. Kara, réveille-toi, Kara. Oh putain, y'a un truc à faire. Luther, aide-moi, mon frère. Luther, on est des androïdes tous les deux, Luther. Rejoins-moi dans le salon. Luther, toi aussi t'as été formaté, je savais. Je le savais que t'avais été formaté. Enfoiré, viens m'aider. Trouver un moyen de s'échapper. C'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, là. Provoquer un court-circuit. Ok, on a plusieurs choses à faire. Ok, très bien. Donc, non, on va voir les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on a, là? Câble vert. Oh, je fais peut-être de la merde, là. J'aurais peut-être dû voir toutes les possibilités avant d'en prendre une. Donc ça fait tomber la vodka, très bien. 64%, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche de ouf. Faut que je me dépêche de ouf. Est-ce qu'on a pas un truc à faire avec la vodka? Le câble vert, putain, y'a quoi d'autre à faire là? Je crois que je peux foutre le feu, câble bleu, allez. Mais allez, câble bleu là. Mais elle a rien fait avec câble bleu. Non! Non, 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 j'ai pas réussi, non. J'ai pas réussi. Non, j'ai la mémoire effacée. Ah, la dégoûtance, rejoindre Luther dans le salon. Mais non, je ne veux pas, je veux m'échapper. Non, putain, j'étais trop lent pour trouver une solution, je me suis fait ken, non. Ah putain, bon bah de toute façon maintenant c'est fait, hein, j'ai envie de te dire. Bon, et bah Luther, je viens te rejoindre. On va se faire vendre, on va aller dans une nouvelle famille, ou peut-être dans la même. Regardez. Non. Non. Je vais vous aider de ouf, je vais vous aider de ouf. Il y en a un derrière aussi. Voilà, bien joué ça. Il a effacé sa mémoire. Non. Ça ne peut pas être possible. Tu dois t'en souvenir. Fais-le pour elle. Il aime jouer avec moi. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Mais qui est le vrai monstre ? Regarde ce qu'il nous a fait. Tu dois te rappeler qui tu es. Sinon, ma petite mourra. Ok, je crois que je suis en train de retrouver un petit peu la mémoire là. Rejoindre Luther dans le salon, il y a deux trucs cachés à faire. Non, 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 non. Je suis sûr que vous savez, Lucie, là, celle qui est dans Jéricho là. Je suis sûr qu'elle est venue ici. Tu sais, c'est celle qui a la boîte crayenne défoncée là. Je suis sûr qu'elle est venue là. Il doit y avoir des trucs à faire avant de rejoindre Luther dans le salon. Il doit y avoir des trucs à faire. Ok, bon, bah, je crois que je peux pas avancer plus. Il va falloir vraiment que je rejoigne Luther dans le salon. Bon, on va y aller. J'espère ne rien oublier. Déjà, j'ai déverrouillé quelque chose. C'est plutôt cool. Est-ce qu'ici, on n'a pas quelque chose à regarder? Hein? Ici, typiquement. Non? Là-bas, là-bas, là-bas. Je vois une silhouette, là-bas. Oh là là. Mais il y a que des psychopathes chez les humains, ou ça se passe comment, là? J'en étais sûr qu'il fallait pas lui faire confiance à Zlatko. Putain, fais chier. J'ai rien à faire avec toi, mon pote, hein. Oh là 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 là, va falloir que je rejoigne le salon, j'ai pas envie. Non, s'il vous plaît. Attends, attends, ici, ici, je peux pas, genre, lui détracter son chauffe-eau, comme ça, il aura que de la douche froide jusqu'à la fin de ses jours, cet enfoiré. Le
Le pire truc, la douche froide. Super vengeance. Regardez. Allez, rappelle-toi, Kara. Rappelle-toi de qui tu es. Voilà, bien ça. Ça commence à revenir. On n'a pas... Ouais, les livres. Qu'est-ce qu'on a à voir ici? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc caché, non? Non, il n'y a vraiment rien, là? Ok, donc, une bibliothèque à moitié vide. Très bien, je vais vérifier. Hein. Là, il y a la porte. Au salon, je dois faire quelque chose. Je vais peut-être essayer de monter. Hein, ça vous dit, on essaye de monter? D'abord, on va faire ça, là-bas. Je vais pas prendre la porte, parce que je t'avoue que j'ai peur que de partir sans... Sans Alice, et ça me plairait pas. Donc j'ai... Oh, bien! Bien, rappelle-toi. Super. Mon... Il écrit quoi, en fait? Mon nom est Kara. Allez, faut que t'arrives à là. Théma! Mais ils ont quoi avec leurs animaux, là? L'autre, il a une autruche empaillée, au calme. Rejoins... Oh putain, je peux pas passer la barrière. Est-ce qu'on essayerait pas de passer la barrière? C'est absolument pas possible. Oh, il m'a fait peur, l'autre, dans la glace. Non, honnêtement, j'ai pas envie de tester la porte. Parce que j'ai peur de partir sans Alice. Ouvrir. Ouais, non, j'ai peur que ça parte en couille. Non, je vais rejoindre Luther dans le salon. Non, là, ça risque de partir en couille. Je vois déjà l'action, ils vont me rattraper. Et Alice, ça va être dans la merde. Le dîner du maître est prêt. Apporte-le-lui. Ouais, je l'apporte. Ça, c'est le dîner, ça? Instruction reçue. Oui, Luther. Pas encore. Oui, Luther, non. Tu restes tranquille, Luther, mon pote. Ça va bien se passer. Apporter le repas, Zlatko. Absolument pas! Je serai pas ton androïde. Enfoiré, va. On va faire une petite partie de billard, parce qu'il est vachement grand, son billard. Bon, les gars, je fouille un peu. S'il y a rien d'intéressant, je coupe. S'il y a des choses intéressantes, je les mets. Vous connaissez le système. Putain, la taille du billard. Y a rien. J'ai envie d'essayer la porte, du coup. Non, allez! Je crois que je vais me raviser, je vais essayer... Ah, il y a deux trucs là-bas. C'est où? C'est sur la table ou c'est juste là? Ça a l'air d'être sur la table. Allez, rappelle-toi des clopes, tout ça, rappelle-toi, voilà. Vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Mon nom est Car. Il te manque juste un A. Je vais trouver. Je vais aller à la porte. Non, je peux. Je vais pas lui apporter. Non. Là, j'ai envie de tester le dernier truc. Je vais aller à la porte. Les gars, on verra bien ce qui va se passer. Non, je peux plus. Le con. Bon, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Bon, tant pis. Là, je crois qu'on a plus qu'à apporter le repas. Il y a un truc là-bas. Ah, c'est la porte. Je suis dégoûté, fallait que j'aille à la porte, la prochaine fois je ferai tout ce qui a marqué, tout. Là j'avais peur que genre je sorte sans Alice et qu'on me rattrape et qu'on me mette avec les autres en bas et tout ça. Je me suis dit que c'était la merde à faire. J'ai essayé d'être intelligent, mais malheureusement je pense que je n'ai pas été assez intelligent. Tant pis. J'essaie d'anticiper des choses qui peut-être ne vont pas arriver, je devrais pas faire ça. Maintenant je vais essayer de faire tout ce qui est possible de faire. Bon, écoute. On va lui apporter le repas, hein. Rester avec mon propriétaire. Ah, ça se trouve, ça aurait fait ça. Hein. Bon, au moins, on a testé ça. Je pensais que ça amenait vers une autre pièce, mais non. Je pense que ça aurait fait ça pour la porte d'entrée, mais peut-être qu'elle serait souvenue de l'arrivée, tu vois. Et peut-être qu'elle serait rappelée que son nom est Kara. Et là, malheureusement, il nous manque pas grand-chose, peut-être... Ah ! Attends. Là, je peux le faire. Ah. Bon, en fait, rien du tout. Bon. Je pars peut-être trop dans des délires. Mais écoute, on va lui apporter son repas. Y a rien d'autre à faire, hein, les gars. Non. Ah, le plafond dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous avez avec les plafonds? Déjà, rien que la maison, elle aspirait pas confiance. Je vais aller là direct. Ah non! Pose-le sur la table, là-bas.
Ah merde, je savais pas que c'était lui, putain, j'aurais fait autre chose, je pensais qu'il était dans une autre pièce. Bon bah écoute, je vais le poser sur la table, je vais me barrer. Regarde, il est en train de jouer avec les androïdes sans cet enfoiré. Enlève-moi cette carcasse et mets-la à côté. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, Zlatko. J'avoue, il ressemble quand même vachement à Todd, hein. Mettre la carcasse, ok. Attends, un petit coup de R2, y'a rien d'autre à faire. On vérifie, toujours on vérifie. Ok, y'a rien d'autre à faire à part ça. Ah si, L1. La pauvre. Putain, il va faire ça avec moi, l'enfoiré. Il va faire ça avec moi. J'ai rien à découvrir là. On sait jamais s'il y a un petit triangle qui se met. Non, on va prendre. Luther ! Ok. Luther ! Je dois la mettre où ? Je dois la mettre dans l'autre pièce. Luther, Luther, tout ça. De toute façon, je pourrais rien faire ici. Oui, Zlatko. J'aurais terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Regarde l'autre à rampe derrière, mais c'est horrible. C'est horrible. Qui est la petite fille? Ah, mais oui, souviens-toi. Allez, c'est le moment de te souvenir. Toi, t'as rien à me dire? RA9, observez. Allez, on est reparti avec RA9. Toi, t'as rien à me dire, la meuf qui rampe, là? Non? Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Il y a des trucs à faire. Non, temps restant, 9.32. Aïe, 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 aïe. Ok, vérifions. On a plein de trucs à faire. Je vais les faire de ce pas. Déjà, là, la cage, c'est la plus près. Attends, je refais un petit coup de RD. 9.29. Temps restant, 9.29. Je vais essayer de faire un maximum de choses. Allez, on se dépêche, on se dépêche. C'est un putain d'ours. C'est un ours. Aïe, aïe, aïe. Un ours androïde. Il a des ours. Ouvrir la cage, de ouf. Ok, ça c'est ouvert, peut-être qu'il va s'énerver. Très bien. Là tu vois, j'ai pas réfléchi. 9-1, j'ai pas réfléchi, j'ai direct ouvert la cage. Je me suis pas dit, ouais mais il va me bouffer tout ça. Non, j'ai direct ouvert la cage, maintenant je réfléchis plus mon pote. Observez. Ah, la même pipe que Todd. C'est exactement le même, c'est son frère jumeau. Mon nom est Kara, lourd. Bien joué. Alice, bien joué, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Trouve Alice, trouvez Alice. Attends. Ouvrir. Je vais pas aller vers le couloir, ça sert à rien, il va me repérer. Qu'est-ce que tu fais là? Chut, ferme ta gueule toi. Putain, mais il est fou. Ta gueule, ferme ta gueule. Il faut toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal? Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Désactiver Alice, accord, épargné. Alice. Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue? Une petite fille? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Désactiver, je m'en bats les couilles. Vu de ma mère, tu crèves, toi. Voilà. Sinon, il va balancer. Il va balancer, ça sert à rien. Voilà. Ah, c'est mort, il va balancer. C'est tout ce que t'as à voir là, juste ta gueule. Bon, on n'a pas le time pour ça. Vers le couloir. Allez, on y va cette fois. Où peut-elle être? Oh non, Luther! Ok, ça va, il m'a pas capté. S'échapper, trouver Alice. Oh, on a tellement de choses à faire. Mon dieu. Alors attends, on est monté par là. Et on a été où? On a été dans la salle... Ok, on a été à droite, là où il est, où je le vois en train de faire son opération. On a été après dans la salle de gauche. Après, on a été dans la salle au fond. Donc en fait, ce qu'il me reste à faire, c'est vers là-bas. Luther, il dira rien, c'est ça? Luther, il est en train de dormir au calme. Je suis désolé. Au sujet de la petite. Allez, il te reste... Tu peux faire quelque chose pour moi, Luther. Je te jure que tu peux faire quelque chose. Là, on va essayer.
Vite, vite, coup de R2, coup de R2. Ok, ici. Non, ça c'est un magazine, est-ce qu'on a le temps? Detroit Today, peut-être qu'on a un, l'attention montre un suivant. Un navire américain pré-poursuite, comment les androïdes parlaient de... Change notre façon de communiquer. Ok, peut-être qu'elle va voir des trucs dedans. Je lis pas, peut-être qu'elle a la lu. Ok, peut-être ça lui a apporté des informations, je ne sais pas. Je l'ai fait, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas, un fusil! Oh lourd. Merde, faut trouver les munes. Dépêchons-nous. Ok, donc y a rien ici, et ça on l'a déjà vu. Y a rien dans le placard. Hein. Nothing is in the closet. Ok, très bien, on sort. C'est compliqué parce qu'il reste du temps. Hein. Il reste du temps, donc j'essaie d'aller vite. Mon dieu, où suis-je? Coup de R2. Ok. On a rien dans le placard là à gauche? Non. Ok, il y a deux trucs, cheminée et un truc au fond à droite. Ok, très bien. Allez, dépêche-toi, tu m'énerves, on va pas courir là. Inspecter. Ok, elle est peut-être en train de voir les armes probables qui pourraient servir à sa fuite. Allumer. Non, mais j'ai pas le temps d'allumer la télé, les habitants des droits. Opinion publique hostile. Aïe. Ok, très bien. Ça, c'était juste pour savoir l'opinion publique. Ils vont nous défoncer. Hein. Tous les humains vont nous défoncer. Très bien. On sort. Il ne reste plus que celle-là. Je l'ai trouvé. Kara, tu te souviens de moi? Comment aurais-je pu t'oublier? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Ok, Luther, il est passé. Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Oh non. Très bien, Zlatko. Oh merde. Merde, j'ai peut-être pas été assez rapide. La petite. Là. Allez, gaz. Sous la table, se cacher sous la table. Let's go. R2 pour savoir les cachettes. Pas sous la table, ça serait trop cramé. On va se mettre là. Et là, on se cachait. Allez. Zlatko! Quoi? La petite a disparu! Comment tu veux que je regarde si je maintiens L1 et rond? Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Va la chercher! Et je suis un fils de pute, j'ai lâché! Je suis un gros fils de pute! Non! Désolé pour les gros mots, je suis désolé. J'aime pas dire ça. Vers le couloir, vers la chambre, allez. Ah, j'aurais dû aller vers le couloir. Oh le bâtard, lui là. Ah. Non. Ok, ça me grattait le nez. Oh putain, je suis concentré les gars. Je peux. Faut vraiment pas que je me loupe. Vous pouvez pas m'échapper. Voilà, bien joué ça. Bien joué, Kara. Voilà, bien joué. Ah, désolé pour le micro. Putain, mais du coup. Allez. Voilà, esquive, double esquive. Voilà, boum. Voilà l'ours! J'ai trop bien fait de faire ça! Elles sont là! Oh putain, c'est la merde! Allez!
Allez, on se casse. Ouvrir la porte d'entrée. Non, elle était fermée, je suis un connard. Esquive. Wouh. Putain, je réfléchis pas, carré. Hop là. Non, c'est pas le moment de tomber. Vas-y, Alice. Non, je te laisserai pas. Cours le plus vite possible. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Luther, aide-moi. Luther, mon pote. Voilà, bien joué ça. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là. Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus. Voilà, bien joué, Luther. Putain, c'est comment mon gars, ça. Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Ah yes! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. La mission était très lourde. J'ai loupé vachement de trucs. La mission était très lourde et très longue. Mais j'ai kiffé de ouf. En vrai, on a réussi pas mal de choses. On aurait pu avoir pas mal de fins différentes aussi, j'ai l'impression. Non, juste 3. Quoique. Ici, oh là là, ici, j'ai loupé tellement de choses. Mon Dieu, mais fallait aller vite. Là aussi, loupé tellement de choses. Mais ça aurait pu s'arrêter directement ici, hein, les gars. On aurait peut-être pas pu fouiller la maison. Hein. Ça aurait pu s'arrêter là. Ok! Bon, il n'y aura qu'une mission pour cet épisode, elle était très longue, hein, une demi-heure quand même la mission. Mais forte en émotion en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé, même si c'était que Kara, alors que d'habitude on essaye de faire plusieurs personnages. Les autres personnages, ça sera dans l'épisode suivant. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, ciao les gars.